Bonjour et bienvenue sur les dictées en ligne d'orthodidacte. Un beau mot? Prêt? Partez! Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode de la dictée du confiné. Je vous lis d'abord le texte intégralement. Nous, les fruits et légumes, sommes particulièrement inquiets en cette période. Si les gens ne mangent que des pâtes et du riz, qu'allons-nous devenir? Nous ne voulons ni mourir, ni pourrir au milieu des champs. Au contraire, que nous soyons crus ou cuits, nous souhaitons nourrir des bouches affamées. Heureusement, nos chers agriculteurs ne cessent de courir et de se démener pour que nous figurions en bonne place sur les marchés et pour que nous attirions les consommateurs des grandes surfaces du coin. Et maintenant, c'est à vous d'écrire. Nous, virgule, les fruits et légumes, virgule. Nous, virgule, les fruits et légumes, virgule. Nous, virgule, les fruits et légumes, virgule, sommes particulièrement inquiets, sommes particulièrement inquiets, sommes particulièrement inquiets. En cette période, point. En cette période, point. En cette période, point. Si les gens, si les gens ne mange que des pâtes et du riz, virgule, ne mange que des pâtes et du riz, virgule, ne mange que des pâtes et du riz, virgule, qu'allons-nous devenir? Point d'interrogation. Qu'allons-nous devenir? Point d'interrogation. Qu'allons-nous devenir? Point d'interrogation. À la ligne. Nous ne voulons ni mourir ni pourrir. Nous ne voulons ni mourir ni pourrir. Nous ne voulons ni mourir ni pourrir au milieu des champs. Point. Au milieu des champs. Point. Au milieu des champs. Point. Au contraire, virgule. Au contraire, virgule. Au contraire, virgule. Que nous soyons crus ou cuits, virgule. Que nous soyons crus ou cuits, virgule. Que nous soyons crus ou cuits, virgule. Nous souhaitons nourrir. Nous souhaitons nourrir. Nous souhaitons nourrir des bouches affamées.
point. Des bouches affamées. Point. Des bouches affamées. Point. À la ligne. Heureusement, virgule. Heureusement, virgule. Heureusement, virgule. Nos chers agriculteurs. Nos chers agriculteurs. Nos chers agriculteurs ne cessent de courir, ne cessent de courir, ne cessent de courir et de se démener. Et de se démener, et de se démener pour que nous figurions en bonne place, pour que nous figurions en bonne place. Pour que nous figurions en bonne place, sur les marchés, sur les marchés, et pour que nous attirions les consommateurs, et pour que nous attirions les consommateurs, et pour que nous attirions les consommateurs, des grandes surfaces du coin, point. Des grandes surfaces du coin, point. Des grandes surfaces du coin, point. Et c'est la fin de la dictée. Je vous la relis. Nous, les fruits et légumes, sommes particulièrement inquiets en cette période. Si les gens ne mangent que des pâtes et du riz, qu'allons-nous devenir? Nous ne voulons ni mourir, ni pourrir au milieu des champs. Au contraire, que nous soyons crus ou cuits, nous souhaitons nourrir des bouches affamées. Heureusement, nos chers agriculteurs ne cessent de courir et de se démener pour que nous figurions en bonne place sur les marchés et pour que nous attirions les consommateurs des grandes surfaces du coin. Et voilà, c'est terminé. Prenez le temps de vous relire tranquillement et quand vous aurez terminé, cliquez sur « Valider » pour accéder à votre corrigé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la dictée du confiné sur dictée.orthodidacte.com. Prenez soin de vous, restez chez vous et faites des dictées. À bientôt pour le prochain épisode.